et salut à tous. Hop, je rapproche mon micro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live sur les difficiles aventures. Salut Mickaël, salut. Oh, fantastique, soyez le bienvenu. Et salut Sam Duc, merci pour le follow. Donc, salut Momo, salut Dadawi, Maxims, bienvenue à vous. Alors, on est parti pour un nouveau projet sur les difficiles aventures et vous reconnaîtrez certainement le barrage. Et oui, on va partir sur une chose qui n'avait jamais été faite encore sur cette partie et ça fait vraiment longtemps hein, qu'on veut faire ça. Ici, on avait fait une petite usine à neige. Mais l'idée, c'était de mettre en place un petit, une petite usine hydroélectrique. Donc là, voilà. On est sur le créatif. J'ai dupliqué la zone. Et on va imaginer cette partie-là. La partie du bâtiment de la centrale. Et après, on va aussi imaginer peut-être centrale et transformateur. Ça va être cool, ça va être cool. Et du coup, bah, on peut tout de suite commencer. Et ça fait vraiment très plaisir que vous soyez tous présents. Je me disais, on a le chemin qui arrive par ici, donc un chemin de terre, ça il faudrait qu'on modifie pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, quand même, pour arriver jusqu'à l'usine. Mais... ça me semblerait logique qu'on garde cette hauteur-là ou un de moins. Enfin, en tout cas, qu'on parte sur quelque chose de cette hauteur-là. Ça peut être cool. Donc, ce qu'on va faire... Et coucou Mimiche! Ah oui, et d'ailleurs, j'y pense, mais... S'il y a des aventuriers qui veulent passer, je me mets sur le vocal, bien sûr. Live. Ah, j'ai une chose que j'ai toujours pas fait pour mes lives, c'est de mettre le petit overlay que Moran m'avait conseillé. Ouais, on va dire que le mur... va être à peu près... Ça me semble logique que ça soit surélevé, surtout parce que... voilà, quand le trop-plein se libère, il ne faudrait pas mettre la centrale en danger, en fait, avec le flux. Et pourquoi tes nuits vont être courtes, Maxime? Ah, parce que t'as mis Minecraft sur ton PC. Les JO, est-ce que vous suivez les JO? Moi, je suis pas du tout. C'est vrai qu'il y a une époque où j'étais ultra... les JO, c'était quelque chose pour moi. Et chaque année, enfin, chaque fois qu'il y avait les JO, je suivais à fond. Mais les derniers que j'avais vraiment suivis, c'était les JO d'Athènes en 2004. Pour vous dire... Enfin, quoi que non, il y a les JO de Londres. Mais... En 2012. Après, j'ai un peu moins suivi quand même. 2008, je sais même plus.
Ouais, moi j'aime bien faire du sport, mais j'aime pas. Enfin, finalement, regarder du sport, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, donc on va faire un mur comme ça. Ça va être pas mal. Ouais, bah oui, c'est un peu à l'autre bout du monde, ces JO. Et coucou, Charivari! Comment ça va? Je pense qu'on va repartir un petit peu sur un truc qui est un petit peu similaire que. Bienvenue dans notre humble chez nous. Et c'est parti pour un ban. On commence bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, t'étais en manque de ban. Ouais, bah. C'est ça, un bon ban. C'est. Ça fait du bien toujours, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ici on va dire que c'est normal. Ouais, j'y pensais, Mimiche, quand j'ai dit un bon ban. Un bon bain. C'est clair. Mais bon, après, on est en été. C'est pas la période. Enfin, quoique. Après, pour se détendre. Hein. Il est pas trop chaud, un petit peu frais. Après une bonne journée de marche, par exemple. Là, ça peut être cool. Alors, comment on partirait pour ce mur? Ouais, avec des petits escaliers, peut-être. Bon, juste la partie là. Et on aurait la suite comme ça. Avec peut-être un petit un petit grillage. Ça pourrait être logique. Et coucou, bienvenue Force. Merci pour le creeper. Creeper, ça marche pas quand je suis en créatif hein, pour me faire peur, mais merci quand même.
Coucou, Yvan de la Coke, bienvenue. Ah, mais cette musique-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y a du saxophone. Et moi j'adore le saxophone. Va boire un verre d'eau. Un verre d'eau. Oui, ça va faire du bien. Un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau. J'en ai un à côté de moi. Hop, alors je bois pas un grand verre d'eau, hein, une petite gorgée. Sinon je vais devoir faire une pause pendant mon live et aller aux toilettes avant de. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le saxophone. La musique est pas un peu forte? Je baisse un tout petit peu. Vous me dites, si jamais. Bah moi, si je regarde le sport, c'est sur la RTS. Et bah c'est la radio-télévision suisse. Et coucou mes lunettes. Ah, c'était cool. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur un live de roi. Et ça me remotive à faire aussi des live Trackmania. J'en avais fait quelques temps. Et franchement, c'était cool. Et ce suspense insoutenable, c'est cool. Bon, bah par contre, mon vote, j'ai perdu des petites pépites, des points de chaîne. Non, c'est pas c'est quoi chez Roi, c'est pas des pépites comme chez Oran. Ouais, on va faire différemment. Ouais, c'est trop cool les live Trackmania parce qu'il y a le suspense de. Et puis en fait, c'est une bonne idée hein, ce que fait Roi Louis d'avoir un système bah, des petites votations. Est-ce qu'il va réussir à aller top 15 ou pas? Et là, c'était pas gagné hein, parce que c'était une map glace. Et c'est vrai que les maps glace sont un peu casse-gueule. Et moi je les aime bien les maps glace. C'est vrai qu'il y a un petit challenge. Vous savez quoi? J'oublie à chaque fois, mais je peux faire ça. Il ira quand même plus vite. Et coucou, Sam Duke. Ouais, l'usine à neige ici. Ouais, on est. Bon, oui, je vais déjà tout recouvrir. On verra plus tard en fonction du bâtiment quand on construira. On fera pas forcément le tout. Ouais, c'est cool de créer des maps sur Trackmania.
J'en avais fait quelques-unes, mais bon, pas, c'est pas des grosses maps, des trucs assez basiques. Mais je m'étais bien amusé. Bienvenue dans notre humble chez nous. Et bienvenue, Roger. Merci pour le follow. Roger. Une cinquantaine de maps. Ah, il est cool, le Final Fantasy XIV. Enfin, je dis ça, mais j'ai jamais fait de Final Fantasy, donc je saurais pas après dire par rapport à d'autres. Alors, je suis en train de préparer le terrain pour construire ici une centrale hydroélectrique. Donc ici, on a le barrage. Et ce qu'on va faire, c'est ici, on va construire le bâtiment de la centrale. Et à côté, ouais, en fait, on a pas énorme de place, mais je pense que le bâtiment de la centrale sera assez collé ici au barrage. Et à côté, ici, on aura des parties de transformateurs électriques. J'imagine que c'est comme ça qu'on appelle. Moi, je suis pas trop MMO. Enfin, j'en ai pas vraiment fait. C'est pas trop mon truc. Peut-être qu'une fois j'accrocherai et puis j'aurai plus de vie sur un MMO. Bon, par contre, alors là, je me suis mis sur Pokémon Unite. Donc c'est un MOBA. J'ai jamais fait de MOBA, mais je trouve ça plutôt cool. Et j'ai regardé quelques vidéos de personnes qui faisaient un peu des tutos. Il est gratuit sur Switch. Combien de temps ça fait que je suis sur les DA? Depuis 2000, 2015, 2014, par là autour. Donc depuis longtemps. Et salut Craftroen, tu as raté le live. Oh bah pas de souci, tu regarderas la rediff. Hop, et ici, ouais, on va faire. Et donc dans cette zone, hein, il faut pas oublier que la montagne qu'on a aussi autour, c'est une partie qui a été terraformée. Alors là j'ai que une petite partie, si vous regardez. J'ai pris un carré de la map. Et derrière, il y a des petites choses que vous voyez. C'est parce qu'on va aussi faire un réseau électrique dans la ville. Mais plutôt en abord de ville. Parce que forcément, le réseau électrique, on va pas pouvoir l'installer comme ça. Ils vont sortir Pokémon Unite sur iPhone et Android. Donc si jamais, vous pourrez aussi jouer là-dessus. Pour l'instant, il est que sur Switch. Bon, par contre, alors, je vous préviens, ils ont exploité le côté machine Afrique, puissance fois 1000 sur ce jeu. Où il y a vraiment tout qui est construit pour vous inciter à payer. Il y a le même système que Fortnite avec. Enfin, on gagne des niveaux, mais on a des trucs qu'on peut pas débloquer si on n'a pas le Battle Pass, machin. Après, on peut acheter de la monnaie, c'est un peu mode jeu mobile. Mais alors après, voilà, si vous voulez y jouer sans claquer une thune et juste prendre le temps, juste s'amuser tranquille,
Je pense qu'il n'y a pas de souci en fait. Le jeu, il... Ça joue aussi. Alors, je vais commencer le bâtiment de la centrale. Je sais pas trop la grandeur. On va déjà faire une structure. Ouais, on va au moins... Bon, il y a l'usine à neige qui est là. Mais après, on imagine qu'il y aurait... Alors, il y aura la zone d'accès, évidemment. On va voir combien de places on laisse. 4. Ouais, on va laisser ça en termes de largeur. J'imagine un peu la place qu'il y aurait pour la zone du transformateur. Sinon, j'avais vu certains schémas où on a par exemple l'usine qui est en dessous ici, et après on a par exemple ici, un transformateur. Plutôt. C'est aussi possible. Et Roger Vic, bah profite bien. Bonnes vacances à toi. Moi, je suis en fin de vacances, mais j'ai encore congé lundi, ça c'est cool. J'ai encore samedi, dimanche et lundi parce que je me suis dit mais pourquoi on retournerait de vacances un lundi? Donc je prends aussi mon lundi. Comme ça c'est cool. Et là, hop, j'imagine que cette grandeur... serait pas mal. Il y a plusieurs choses que j'aimerais bien pour cette centrale. C'est si on arrive juste ici à voir les deux conduites par exemple qui descendraient. Parce qu'il faut bien s'imaginer, ça c'est les trop-pleins. Donc c'est pas ça qui va faire en sorte que on ait de l'électricité. Ça sert juste à vider le lac si on a trop d'eau. Mais après, à côté, on a des conduites et du coup, on a le bâtiment ici. Je vais juste faire un tour, disconnect, et on va aller sur le serveur. Vous voyez ici donc la zone que j'ai sélectionnée et donc la vraie zone avec le lac derrière. Parce que finalement, en termes de place, je me dis pourquoi pas faire le transfo ici, sur cette petite zone. Et on le ferait après. Et donc, en fait, ce qui se passerait, c'est que on aurait les câbles, on aurait un pylône ici, et un deuxième qui sera là, ça traverse. Puis ça continue direct par ici. J'imaginais que les pylônes, on pourrait les faire passer derrière la zone ici. Entre la zone pavillonnaire et le festival. Et après, ici, vu que c'est déjà construit là, on pourrait plutôt faire suivre les pylônes électriques. Voilà, ici. Et donc, en fait, si on regarde la carte, on aurait le bâtiment
ici. Ça me permettrait peut-être de le décaler un tout petit peu, ce bâtiment. Comme ça, on pourrait mieux voir les conduites qui passent. Je trouverais ça plus cool. Ici, on a le transfo. On a les pylônes qui passent là. Ils continuent ici. J'imagine qu'après, on pourra faire une connexion pour imaginer que ça alimente le centre spatial. Ici, par exemple, ça pourrait, en suivant le terrain, traverser, suivre un peu le terrain et s'arrêter ici pour imaginer que c'est au niveau du parc, par exemple. Et après, faire redescendre les pylônes et les faire longer, par exemple, la zone militaire pour les amener plus par ici. Puis les faire de nouveau s'arrêter ou continuer plus loin par là. Quoique ici, c'est déjà pas mal dense. Pourquoi qu'on pourrait... On pourrait les faire passer de ce côté-là, plutôt. Voilà. Enfin, ça, c'est le plan. Mais du coup, je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée de... Ouais, la partie du transfo... De plutôt la mettre là. J'imagine que c'est bien. Ok, reparti. En créa. Et vous êtes 15, ça fait très plaisir de voir autant de monde sur les lives. Merci beaucoup. Surtout que ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de diff. Donc ici, voilà, on laisserait un petit espace. Et on aurait la structure... qui serait là et après donc ça on n'aurait pas et je me disais pour l'inspiration de ce bâtiment je verrais bien un peu bâtiment industriel mais pas un bâtiment tout récent industriel, quelque chose qui date quand même un tout petit peu. En termes de volume, on aurait quelque chose de... Ouais, de comme ça, ça peut être cool. Ouais, encore un projet de folie. Ça va. Bah, je peux profiter de vous montrer. Donc, j'ai téléchargé un pack de pylônes. C'est un pack que vous trouvez sur Planet Minecraft, il est assez ancien. Et d'ailleurs, ça... Ouais, voilà. C'est un petit peu... J'aimais pas trop le fait qu'il y ait rien qui soit connecté. Donc j'ai repris, moi, ce modèle-là, qui est pas trop grand. Je le trouvais bien, donc j'ai pris le pack pour le reprendre. Et j'ai fait quelques modifications pour les connexions. Et j'ai imaginé aussi... Au début, j'imaginais peut-être partir sur les chaînes. Je me disais que ça pourrait être cool d'avoir l'échelle comme ça pour faire des fils. Sauf que quand on fait des changements de hauteur, ça nous donne ça et j'aimais pas trop. Donc finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on repart sur du vert noir classique pour les lignes. Par contre, j'ai utilisé comme ça le grindstone pour faire la connexion. Et je trouve que c'est vachement cool. Et par rapport à la taille, je me dis, sur la carte des diffs, ça va le faire. C'est pas trop grand. Parce que voilà, au début, j'arrivais pas à m'imaginer la hauteur. J'étais, ah ouais, ces pylônes comme ça, ils sont vachement cool. Après, je sais qu'en mode européen, alors je sais pas en France, hein, mais en Suisse, on a plus... Peut-être des pylônes qui ressemblent à ça. Avec plus de lignes, bien sûr. Mais par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a plus l'habitude de voir aux États-Unis.
ce genre de pylône. Et ça, je connais pas du tout ce genre de pylône. Où c'est qu'on pourrait trouver ça? Faudra une usine à colorant noir. Peut-être. C'est vrai. Alors, du coup, moi, je voulais clairement m'inspirer d'un bâtiment. Et franchement, je suis repassé dans cette zone et ça fait vraiment plaisir d'avoir deux quartiers comme ça. Deux blocs qui sont complétés. Mimiche et Charivari, vous avez bien bossé sur cette zone, ça fait plaisir. Mais je me dis, une fois, il faudrait presque d'un coup qu'on se dise, allez, c'est... on met une zone à l'honneur et pendant un certain temps, on s'oblige à tous, par exemple, bosser uniquement sur la zone Brooklyn. Et tout le monde fait, s'il fait des lives, c'est sur Brooklyn. Et puis voilà, c'est pendant 3 semaines, et puis on avance dessus. Ça pourrait être cool. on a une usine à rose noire. Je sais plus si elle fonctionne. Ouais, voilà, c'est ce bâtiment-là qui m'inspire. Un peu. Dans le style. Oh, il a été tagué. Eh mais c'est un nouveau tag ça, ou bien? Mais il est cool. Avec des petites abeilles. Avec la zone Tokyo d'Oran. Allez, pendant 3 semaines. Ah non, zone Tokyo. Allez, pendant 3 ans. Tout le monde sur la zone Tokyo. Donc, ici, c'est quoi comme matériau? Ah ouais, mais attendez. Écoute, je... La terracotta grise. Mais j'avais pas besoin de partir en... C'est marrant de s'inspirer comme ça d'un bâtiment qui est... Alors, pour l'histoire, hein, c'est le premier bâtiment que Oran a construit sur la ville, quand même, ce bâtiment. Mais voilà, moi j'aimais bien les couleurs. C'est pas de la terracotta, c'était de la... Oui, non. Maintenant je regarde, ouais non, grey terracotta, c'est juste, c'est bien ça. Et là par exemple ça serait logique qu'on aille par exemple quelque chose en plus qui fasse office par exemple de parking. On peut partir sur un mélange de terracotta grise et terracotta noire. En fait, je peux refaire ça, mais juste avec... Un petit
petit peu de... mettre quand même un peu de... peu de volume. Allez, on va déjà le faire la zone. Tac. Et là, non, j'improvise un peu là. J'ai pas d'image. Dans des it. Non, dans des it. Poly. Et du coup, les tuyaux, est-ce que vous préféreriez des tuyaux... Je serais assez partant pour avoir des tuyaux bleus, en fait. Et en fait... on aura le mur comme ça. En cuivre, ouais, ça aurait été pas mal. Mais voilà. ça sera pour la prochaine. On pourra les faire de la maintenance hein, et dire.
Voilà, donc là on a les deux tuyaux. Salut Ger, comment ça va? Ah, là, il me faudrait des slabs horizontales. Pour rajouter un tout petit peu de relief, on va dire que ça le fait. Oui. Je suis en train de faire dans la zone du barrage la centrale hydroélectrique. Il faut que tu fasses attention, Gère, parce que le temps que tu finisses la station essence. On roulera en voiture électrique bientôt dans la ville. Ouais, c'est rêve inaccessible. Les slabs horizontales. Ouais, c'est quand même une vieille zone, hein. Mais là, en fait, pour que ça soit plus logique, il faut que. On imagine que. Bah ouais, le tuyau, on le voit encore à l'intérieur, comme ça. Ouais, c'est beaucoup plus logique. J'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup. Les petits boutons, on va les mettre ici comme ça. Donc pareil ici. En fait, c'est logique qu'on ait ça. Comme ça. Ah cool, il y aura des recharges électriques. Donc voilà, on a nos tuyaux. Ça c'est cool.
Ensuite, au niveau de... Sortez-vous les doigts du cul! Merci. Max League. Mais je suis en train de bosser, hein. C'est quoi cette... C'est quoi cette politesse? C'était peut-être un peu fort. Dites-moi hein, si les natifs. tu fais une entrée, Max League, qui se remarque. Je note. Débarque sur les lives de façon impertinente. Fracassante, oui. Mais en fait, il y a une autre commande hein, qui est pas mal aussi. C'est la commande bonjour. Non, c'est pas la commande bonjour. Ah, elle y est plus. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ouais, voilà. Merci, mes lunettes. La crise du quartz. La crise du quartz. La crise du quartz. Ok, donc Mickaël a déclenché la crise du quartz, donc on va mettre un peu de quartz dans ce bâtiment parce qu'il faut quand même... Donc au niveau du quartz. Voilà, du coup on va faire ça comme ça. En fait... On va plutôt faire ça. Voilà. Comme ça, on a du quartz dans le bâtiment. Ah, t'es sur le chat que ça te proposait d'essayer. Mais en fait, je suis pas sûr que en bas ça soit cool d'utiliser ça. Je me dis pour faire bien la distinction. On peut même. J'essaye des trucs. Merci, c'était pour que vous le notiez. Non, c'est... Merci beaucoup, je l'avais pas vu. Bâtiment comme ça. Et ici, qu'est-ce que ça fait si on continue? Ouais, on pourrait du coup faire en sorte que on a le bâtiment qui serait comme ça. Vous avez réussi le test. Vous êtes engagé. Engagé pour... Pourquoi vous me dites? Et je vous dirais engagé pour quartz. Alors, j'essaie de trouver des...
Merci. Merci. Mon spectacle ouvre bientôt d'ailleurs. Ici, le dernier bout, on va le faire à plat, sinon ça va partir un peu haut, je trouve. Non, Kraftwerk, je reproduis rien du tout, en fait, j'improvise. J'improvise vraiment. Il y a juste les parties ici qui sont pas terribles. J'improvise en me basant sur les couleurs du premier bâtiment que Oran avait fait, que je trouvais sympa. Ah, ça peut être cool. Par contre, j'ai pas regardé partir sur les. A bientôt Kraftwerk et j'imagine que tu pars en vacances si t'es pas là pour si tu es là dans 2 semaines. En tout cas, si c'est le cas, bonnes vacances à toi. Ah, tu coûtes cher en quartz. Oh, ça va assez vite après le farm. Ah. Forfait 4G qui termine. Différentes couleurs. Ouais, ça me plaît bien. Et de laisser des petites fenêtres là-haut. Mais ouais, le Nether. Et si vous aviez vu la construction que Raph et Daft sont en train de faire dans le Nether.
Ici, ça va être un classique, j'imagine, mélange à la orade un peu. Pour l'instant, je fais un peu les trucs de manière assez grossière et puis on va essayer de peaufiner un peu tout ça. Et on va voler des inspirations sur ce bâtiment-là. Qui d'ailleurs... ah non, il a un toit qui est quand même plus pentu. C'est mieux avec du noir. C'est clair, noir-jaune. Ça reste très simple, hein. Mais ça marche bien. Comme... ici. Quoi qu'on peut mettre de la terracotta noire. Oups. Là, il y a un truc qui fait bizarre en fait. Mais et du coup, on aurait du béton.
Oui, voilà ce que je veux faire. Hop. Que j'aurais pu direct mettre du béton. Ah, j'ai enlevé ma hache. Ah, encore. Juste là, vous pensez quoi de la structure? J'ai bien fait de me dire que les transfos ils seraient décalés par ici, hein, parce que finalement c'est quand même plus logique d'avoir quelque chose, on va dire un bâtiment qui est quand même suffisamment grand dans cette zone.
là, ce qu'on va faire, c'est que hop, d'ici à. Ici, on va mettre. Voilà, on va mettre de la stone. Et là, en fait, c'est le. On va le faire à la main pour cette petite zone, hein, parce que le temps que je me rappelle des commandes d'aléatoire. Et qu'est-ce qu'on va prendre encore? De l'andésite. On va y arriver. Tac 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 tac. Peut-être que ça serait plus logique s'il y avait. Enfin, en tout cas, ça irait beaucoup mieux si entre les deux toits on avait un petit décalage. Parce que là, par exemple, ils sont liés. Par exemple, si on décalait le tout. Je regarde ce que ça donne. On serait un petit peu plus bas pour là. Et qu'est-ce que vous préférez que... C'est quand même mieux hein, si on décale vers le bas. D'ailleurs ici on va faire une entrée.
Ouais, je pense que ça me convainc bien. Donc, on va faire. Je crois que c'est. Attendez, alors, je vais me placer à la hauteur que je veux ici. Cut. Ok, je l'ai déjà. En fait, je l'avais mis un demi plus haut. Ce qui n'était pas si mal en fait. Parce que du coup, on avait un meilleur raccord par exemple ici. Ah oui, c'est logique. Hop. Parce que si on a ça comme ça. Ouais, on va aller jusque là pour quand même être un au-dessus. Pour être sur une slab haute quand même.
Ok, donc là déjà on a la structure. Bon, ce truc que j'ai essayé, j'aime pas trop. On a comme ça la structure du bâtiment. Ouais, ça c'est juste. Avec des murs peut-être plus clairs. Que maintenant on a aussi les murs qui je parlais avant de slab horizontal mais on a aussi enfin, comme ils sont fermés, ça peut clairement faire des murs. Bon, j'imagine que le bâtiment, on va pas le laisser ouvert comme ça. Ah oui, il y a encore derrière. Ok. Alors ça, c'est derrière, on va pas s'embêter, hein. Des vitres plutôt classiques, ça ira peut-être mieux. Je voulais prendre des vitres un peu jaunes, mais elles sont un peu trop fluo finalement.
Brin sur brin, ça me plaît. Ça me plaît moyen. Oh, fantastique, soyez le bienvenu. Et bienvenue, Steve. Merci beaucoup pour le follow. Bon, bah, sinon des vitres noires. Ouais, je peux encore essayer orange. Oups. Mais de nouveau, c'est hyper fluo. Mais quoi que ça c'est pas une si mauvaise idée, hein. Orange. Et on va partir sur du noir. Hop, black concrete. Je sais pas, mes lunettes, si, est-ce que t'es convaincu? Ou sinon, je peux aussi partir sur peut-être des vitres grises. Gris clair ou gris un tout petit peu, bah gris-gris en fait. Comme ça. Du coup, pour que ça soit plus juste, je les décale comme ça, je pense que ça sera beaucoup mieux. On est beaucoup plus cohérent en fait. Et ici, bah, on peut même les décaler. Et puis ici.
Très bien. Ouais, vendu. C'est parfait. Mais du coup, je les décalerai encore ici. Pour histoire d'avoir en fait un espace. Voilà, la structure est cool, j'aime bien. Par contre, ça fait un peu plat, mon bâtiment. Et je manque d'inspiration ce soir pour... Je réfléchis, mais je manque un petit peu d'inspiration pour améliorer tout ça. Pendant que je cherche l'inspiration, on va faire le... ça s'appelle pas des... Non, c'est... Ah oui, les berries. Besoin en fait de... carpette. Bonne nuit mes lunettes, merci d'être passé, c'est très sympa.
Ah ouais, si je fais ça. Il faut faire les petits détails. Des bonnes fondations, c'est ça. Et ici, en fait, on imagine que là-dessous, ça a quand même un peu de la peine à... Enfin, ça pousse, mais on va dire que... Ouais, c'est un petit peu... c'est un peu humide par là. Voilà. Donc, c'est un peu terrain... Et d'ailleurs, on peut faire ça en fait, ça peut être cool. Un peu moussu comme ça. D'ailleurs, c'est des détails, mais... Depuis le temps qu'on a le barrage qui est installé, peut-être en mettre quand même un poil moins.
peu ici. Ouais, je partirais peut-être juste. Ah, quoique, juste là en bas en fait. Pas oublier de boire. Bien comme ça rajoute un petit peu de variété à la zone.
Ouais, c'est clair, ça me dit que c'est pas mal. Plus la zone ici qu'on va plus tard. Il faudrait que je regarde un peu comment on peut faire ça. Ce sera pas facile hein, d'ajouter. Un transformateur électrique. Je sais pas si vous voyez un peu. Ouais, on va en consommer hein, du fer pour faire toute la partie transfo et tout ça. Là, ça va être quelque chose. Et après, donc, je sais pas si on ferait ressortir les tuyaux de l'autre côté. En vrai, normalement, les barrages, il y a beaucoup plus de hauteur pour faire vraiment, pour ajouter de la pression. Ouais, pour ce soir, je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'on va gentiment stopper là. Moi, je commence à fatiguer. Ça fera un petit. Pour la reprise, ça fera un petit live un petit peu plus court. Mais en tout cas, ça fait plaisir de reprendre les habitudes des lives Minecraft. Sur ce, du coup, hop, je vais passer en. Ah, j'ai plus l'habitude. Voilà, F5. Voilà. Et hop, je vais supprimer mon inventaire. Et merci à tous d'avoir été présents sur ce live des difficiles aventures. La prochaine fois, je vais sûrement retravailler durant la semaine un petit peu le bâtiment. J'imagine qu'on partira peut-être faire de la récolte de ressources la prochaine fois. Peut-être peaufiner, faire les finitions de ce bâtiment. Je vais essayer de regarder aussi quelques inspirations de bâtiments existants, peut-être. Et voir qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce bâtiment plus intéressant. Et voilà. Du coup, au niveau du planning des streams, je prévois qu'on se retrouve du coup demain aux environs de 7 h pour du Trackmania, histoire de faire la course du jour. Mardi prochain,
bienvenue dans notre humble chez nous. Et merci pour le follow. Non, 7h du soir. À 19h. Charivari. Et mardi prochain, peut-être qu'on reprendra des lives développement. En tout cas, voilà. Voilà pour le planning de ce qui est sûr. Et puis sinon, bah, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ah, le film Kaamelott. Très bon choix. Bon, allez, à bientôt.